Le Conseil national de la jeunesse a organisé le samedi 26 février une tribune d'expression populaire sur la présentation des résolutions de consultation nationale de la jeunesse congolaise au musée national dans la commune de Lingwala. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à la dite cérémonie, notamment le ministre ainsi que le bourgmestre de la ville de Kinshasa. Prenant la parole, le président du CNJ, William Mukambila, a invité le jeune de ne pas se laisser influencer par les hommes politiques en cette période. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de ces consultations pour ainsi marquer une nouvelle histoire allant dans le sens de mettre de côté nos couleurs et nos tendances politiques, de mettre de côté nos appartenances religieuses, de mettre de côté nos couleurs tribaux, ethnies, ainsi que autres, afin de regarder dans la même direction, pour enfin appeler à cette fin du développement la jeunesse dans sa diversité, pour réfléchir et repasser l'histoire de notre pays. Nous voici en ce jour voulant réécrire de nouveau une histoire. Une histoire dont chacun de nous aura la fierté de raconter à la génération future. Il nous est venu un jour de penser à la table ronde de l'esprit qui a animé nos pères, celui de se liguer comme un seul homme, afin d'affronter l'ennemi de notre peuple, et réclamer ainsi immédiat l'indépendance de ce grand Congo. Signalons que c'est depuis décembre 2021 que ces consultations populaires de la jeunesse ont débuté ici à Kinshasa. Espérons que cette initiative va s'éteindre jusqu'au niveau de province.